bien, bonjour à tous, c'est Willy Gmod. Petite annonce un petit peu spéciale, car je sais pas pourquoi Starbone a planté, mais a planté comme il faut, hein. C'est pas le petit plantage de merde, hein. C'est le plantage où on a plus de ressources, plus rien du tout. Moi qui avais farmé comme un enculé en off, et bah du coup j'ai plus rien. Voilà. Donc Pietro et moi on a recommencé une nouvelle partie, on s'est recréé les mêmes skins, enfin moi le même, Pietro lui s'est créé Jack l'éventreur. Et au passage, ben voilà quoi. Voilà, je suis énervé, donc... Voilà, voilà Pietro, il est très très énervé. Voilà, Pietro, il a perdu toute sa partie. Voilà. Donc j'ai réuni mes trois parties solo. Enfin, je me suis pas pris des trucs trop craqués non plus. Vous voyez maintenant, là j'ai 220 hamburgers, 251 de bouffe. J'ai mes fours, j'ai tout. Hein. C'est juste toutes mes ressources, tous les diamants que j'avais trouvés et tout. Le silver, les steel bars, à l'infini que j'avais des steel bars. J'ai plus rien. Plus rien du tout. Donc, il est un petit peu énervé. Un tantinet, oui. Donc, bon, voilà. Quoi. Donc, nous sommes obligés de recommencer depuis le début. Voilà, malheureusement, on recommencera en Galaxy Alpha, hein, pour éviter de... Bah, oh, merde. Pour éviter de... Non, de... Voilà, je m'étais trouvé une belle arme et tout, hein. Donc, du coup, mon arme, je me laisse garder. Toi, tu dégages si tu veux pas mourir. Donc, eh bien voilà, mes amis, à tout de suite pour eh ben, la suite de Starbound. Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Gmod et bienvenue dans le 9e épisode de Starbound où absolument tout Starbound a planté suite à une mise à jour de je ne sais trop quoi. Donc, bah du coup, voilà, j'ai réuni mes trois parties en une. C'est-à-dire que tout simplement, voilà... C'est-à-dire que tout simplement, bah, on va recommencer en Galaxy Alpha, hein, on va perdre absolument tout ce dont on avait. Sauf qu'on a quand même récupéré les armures, les armes, quand même, hein, pour, voilà. On a toujours notre drill, on a toujours tout. Mais, bon, voilà, c'est... Bah, on va faire les inventaires, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, bonjour Pietro, j'ai oublié de te dire. Hein. Oui, bonjour à tous, hein, pour ceux qui m'auraient oublié, je voilà. Suis là. Et en fait, si jamais on a décidé de recommencer, c'est parce qu'on n'avait plus de ressources. Donc tous les diamants que j'avais farmés, toutes les steel bars et tout, je n'ai plus rien du tout. De tout même que Pietro, je crois que tu avais tout perdu. Hein. Donc bon voilà, quoi. Moi ça me fait sensiblement chier, hein, je tiens à le dire. Cela dit, c'est la série des 100 abonnés, je vais pas m'arrêter comme ça. Voilà, bon bah Pietro du coup on est reparti. Hein. Bah oui. Hein. Alors, voilà, Pietro, je le suis. Alors voilà, une arme que je me suis trouvée en explorant les profondeurs d'une planète. C'est une arme de type légendaire, hein, vous pouvez voir. Elle lance des beaux éclairs et tout. Voilà, Pietro qui prend des arbres. Alors on va quitter cette planète, je pense qu'on va aller sur une autre. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Pietro ? Bah, ça me dit... Ouais, parce que là, c'est vrai qu'elle est un petit peu nulle, cette planète. On a rien trouvé. Ouais, rien de trouvé de bien spécial. Alors mes amis, hein, si jamais vous entendez Pietro mal, je répète, c'est parce que ma connexion est à chier, comme d'hab. Donc voilà, bon bah Pietro, hein, rendez-vous sur le vaisseau. Ok. Voilà, donc... C'est vrai qu'on s'est pris plein la gueule. Ouais, j'ai aussi récupéré tout le charbon que j'avais, hein, à savoir 783. Hop, voilà. Je récupère le reste, de façon à ce que ça ne remove pas mes ressources à nouveau. Et on va aller voir une autre planète. Alors, voyons voir. Pietro, qu'est-ce que tu voudrais, toi, comme planète? Au pif, avec de la forêt pour qu'on puisse prendre plein de bois. Ok, donc j'ai deux biomes forêt. Dis-moi un chiffre entre 1 et 2. 3. D'accord. Non, 2. Non, c'est très bien, 3. Hop, c'est parti. Ah, j'ai peur de voyager dans l'espace. T'as peur? Attends, je vais te faire... Je vais te tuer. J'ai mal de l'espace. Ah! Je vais échapper, laissez-moi partir! Alors, vous voyez Pietro avec son magnifique casque de Jack l'éventreur? Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller! Ah! Menace! Oula, c'est quoi ce vieux bruit en retard, là? Bon. Eh, plaisanterie. Moi, je vais te tirer à l'arc. Ah, tu peux essayer. Toujours essayer, mon petit Pietro. Alors, donc là, on devrait pas tarder à arriver sur la planète, normalement. Je suis protégé par mon petit... Je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que ça bug. Ah non.
Voilà, c'est juste le bruit qui est en retard, c'est tout. D'arriver. Attention pour le bruit en retard. Ah non, même pas. Bon, bah écoutez. Alors, bah c'est reparti du coup. Ah, donc du coup maintenant je garde absolument tout sur moi, hein, les ressources, tout, je m'emmerde pas. Ouh, elle est très jolie cette planète. Tout à fait. Alors bon, bon Pietro, perso, je m'en vais à droite, hein, je vais récupérer les ressources quand même. Alors on n'a plus de double saut, on n'a plus rien, hein, je tiens à préciser. Donc on va être obligé de se refaire du tout au tout. Bah je viens avec toi parce que... bon. Vas-y, 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 moi de toute façon j'ai mes fourches et tout. Donc, On tombe sur quelque chose d'intéressant, ce serait pas mal. Ouais, ce serait bien. Enfin bon, en même temps, voilà quoi. On peut pas penser tomber sur un truc intéressant au tout premier jour. Sur la toute première planète. Et donc là, j'essaie de me refaire en pixels parce que quand la série a crashé, j'avais quand même plus de 20 000 pixels. Donc bon, voilà quoi. Genre, je sais que je peux me les donner avec le pixel compressor. Et voilà, j'ai pas envie de retourner sur une. Bah, j'ai pas envie de retourner sur ma série solo pour le refaire. Voilà, maintenant je préfère me concentrer sur celle-là en espérant que ça arrête de bugger. Hop. Enfin pouvoir récupérer ça. De quoi? Je cherche des minerais pour réparer mon. Ah bon, pour réparer ta drill. Voilà, ça c'est fait. Alors mes amis, vous remarquez aussi que j'ai enlevé la musique du jeu. Hein. Je sais qu'elle est très jolie, moi franchement je l'aime beaucoup. Mais avec ma connexion à chien, en fait la connexion ça l'a fait bugger. Donc. Non mais oh. Non, ça c'est fait. Tu restes dans les profondeurs. Jusqu'à ce que la mort t'emporte, et puis c'est tout. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop, Pietro qui récupère du charbon, c'est très bien. Oh putain, c'est la galère de plus avoir le double saut. Un peu, ouais. Moi qui étais habitué, du coup, bah, je l'ai plus. Voilà. Hop, donc bah du coup, on va continuer. Ce serait bien qu'on tombe sur une installation. Ouais, moi perso là j'ai du sable, le sable ça m'intéresse parce qu'on peut avoir beaucoup de ressources sans les miner. Ah putain, voyez... sans double saut tuer des animaux c'est chaud. Alors, vous voyez à quel point ma connexion bug, c'est n'importe quoi, j'ai envie de dire. Heureusement que j'ai mon flingue. Hop, alors bah du coup je vais essayer de rejoindre Pietro, hein. Quand même. Oh, canne à sucre. Canne à sucre, bah c'est très bien, écoute mon petit Pietro. Donc alors maintenant, Pietro et moi avons des armes craquées, hein, pour le niveau alpha, pour la galaxie alpha. Cela dit, j'espère qu'on repassera vite en galaxie bêta. Parce que moi, il faut dire que j'avais farmé en off, et j'étais arrivé en galaxie gamma. Donc, enfin j'étais arrivé, j'étais sur le point d'y arriver, mais enfin je voulais le faire avec vous en vidéo quand même. Alors, alors... Viens là, toi. Viens là! Je t'interdis de fuir devant ton destin! Non, mais oh! Bah, y'a un peu de charbon. Pietro, tu t'es encore empoisonné à ce que je vois? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Donc, vous voyez, hein, j'avais le supérieur brain et tout. Hein, j'avais le brain extractor et tout. Que je me suis repris, hein, parce que bon, j'avais quand même plus de 300 steel bars en tout. Je comptais faire l'armure que j'ai actuellement. Je comptais la faire à Pietro. Et bah, vu que j'ai bugué l'armure, malheureusement, je pourrais pas la faire avant un moment. Comment ça me faire chier les jaunes? Ah, c'est bien ça, une mine, enfin une station. Là, c'est bon, t'as fini? Je défonce tout. Moi, perso, je récupère les ressources, hein, parce que là, du coup, il va nous en falloir. J'adore avec mon arme, c'est que je peux tout péter. J'ai rien compris, mais je vais rentrer dans un endroit et ben. Oh, regarde,
moi si je fais un coup. Oh mon dieu. Hop. Alors toi là je vois que t'es parti mais. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Moi je suis empoisonné, je sais ni d'où, ni pourquoi, ni de comment. Mais apparemment je suis bel et bien empoisonné. De même que Pietro, hein, je pense qu'on est tombé dans une minuscule flèche. T'as pas fait long feu. Voilà, donc Pietro et moi qui avançons, hein, rien ne peut nous barrer la route, vu les armes qu'on a. Normal. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le secteur? Oula, 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 oh, 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 doucement. Ah, attends. Alors là, tu vois, quand, oh. Quand c'est un terrain plat comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ah. Non, 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 mais non, 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 non. Pietro, remonte, ne creuse pas. Pourquoi? Viens, tu vas comprendre. L'entrée, elle est... L'entrée, elle est là. Là. Ça, c'est bon. Voilà, Pietro qui s'amuse à sauter sur l'eau. Un coffre, là. Ah oui, exact, je l'avais pas vu, il y a quoi dedans? Je vais la prendre, vas-y. Oh non, non, moi ça m'intéresse pas tout ça. Alors voilà, je vois Pietro qui bug. Est-ce que je vais perdre la connexion? Non, pas encore. Waouh, 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 on se calme. On se calme, j'ai dit. Alors Pietro, moi je descends, hein. Que je suis en train de me faire niquer. Ah bon? Par qui? Par des gens que t'as laissé sur le chemin. Ah merde. Loupé. Moi par contre je t'ai vu, connard. Quand j'arrive ça va se régler ça. Voilà. Ah, j'ai reçu une arme apparemment. Je sais pas ce que c'est ni d'où ça vient. Bah étant donné que j'en ai pas, parce que j'ai oublié de me donner ces armes là, je vais la prendre, hein, écoutez. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce secteur. Donc voilà, en fait Pietro, tu vois, quand tu creusais en haut, bah c'était pour venir ici. Ça c'est bon. Donc ici il y a pour... pas grand chose. Ouais. Tout ça pour un. C'est un hôtel des sacrifices en fait. Bouge pas. Alors donc par là c'est bon. On va descendre voir ce qui se passe. Hop. Oh oh ce magnifique bug de chunk. Ah non c'est bon ça revient. De quoi? Waouh. Ça veut plus rien dire. Oh putain. Bon là y a rien. Ok. On parle d'hôtel. Moi je le prends. Vas-y vas-y prends prends. Hein, te gêne pas. Écoute. Hop ça c'est bon. Alors là y en a un. Ça nous a joué avec sa vie j'ai envie de dire. Alors là vous voyez ça lag à mort. Hein. Voilà, je vais me soigner un peu quand même. Facile pack. Voilà, alors Pietro, en détruisant tout, il me file toute sa merde. C'est génial. Alors bon, bah, du coup, on va monter, voir ce qui se passe. Et il se passe absolument rien, donc, et bah voilà. Faut retourner en bas, là. Faut retourner en bas, ah oui, en effet, oui. Par contre... Oui. Pas de quoi cuire ma nourriture. Ah t'inquiète pas, bah, j'ai absolument tout. Bah, fera... Effectivement pas parce que j'ai faim là. Ah t'as faim. Ah j'ai trouvé le dash. Tu le veux ou pas? Sur moi perso le dash je lui. Moi le dash je l'utilise jamais, c'est le double saut moi que j'utilise. Bah passe moi le dash là. Ok. Hop.
Et il faudra Oh, que tu me pourquoi poses il me des points de file... manger Tiens, aussi. rends-moi mon épée, s'il te plaît, parce qu'il commence à me gaver, lui. À donner tout le temps l'épée. Ah bah oui, d'accord, tu me files la bouffe, toi. Alors. Donnez-moi de la bouffe, du coup. Tiens, je te donne le dash pour commencer. Alors, Ensuite, le dash, je le mange. je te donne la bouffe. Ça y est. Voilà, j'étais censé te donner la bouffe, mais il veut pas. Voilà, Là, tu vas avoir de la bouffe qui est pas cuite. Oui, tout à fait. Et je te donne une gazinière. T'as bien entendu, une gazinière. Hop, et voilà. Là, tu vas pouvoir la faire cuire, ta bouffe. Et moi, je récupère le coffre. Voilà, pendant que toi tu joues aux femmes au foyer, moi je vais. C'est terriblement sexiste ce que je viens de T'es vraiment un gros connard en fait. dire. Je m'excuse, hein. C'était pas voulu, c'est sorti comme ça. Voilà, Oui, donc c'est ça. en bas, Pietro, il n'y a rien, donc ça sert à rien d'y venir. Alors vous Bah, tu remarquez peux dire que. ça, hein. Vous remarquez que j'éclaire dans le noir, pourquoi? Parce que j'ai une petite lanterne au bout d'un bâton. C'est Ah, parce que moi j'ai mis craftable. des torches, c'est juste pour le confort des Voilà, youtubeurs. c'est ça, c'est ça. C'est juste en Mais sinon, fait, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin. c'est craftable à partir du niveau bêta. C'est pour ça que Pietro et moi, on en a pris une. Et on essaiera de masquer tout ça quand on aura. Ah, tu dois crever de faim, Pietro? Voilà. Est-ce que tu veux des hamburgers? C'est bon, ça ira. Bon, ok. Bon, bah, du coup, je t'invite à reprendre la gazinière. C'est bon, ça a fini de cuire? Non, pas encore. Si, maintenant c'est bon. Ok, bon, moi, en attendant, je me vide mon inventaire parce que j'ai de la merde à plus savoir quoi en foutre. Hop. J'attends au moins. Vas-y, vas-y, fais. Là, vous voyez, j'ai mes fours, hein, mes 4 fours. Hop, j'étais prêt à me prendre mes armes de niveau Delta que j'avais dans une partie solo, mais je me suis dit que non, c'était peut-être un petit peu trop craqué pour là, quand même. Donc, bah, du coup. Hop, et bah, c'est reparti. Et mes amis, Il y a je des vous steam packs dis. en bas là. Il y a des steam packs en bas. Oui, ça doit être parce que Une bague, light breed of three et l'oiseau a dû niquer la viande. Eh bien, mes amis, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Starbound en espérant que le jeu n'ait pas planté d'ici là. Pietro, à la prochaine! Salut, salut!